Bienvenue dans le module d'électronique du semestre 4. Le chapitre 2 détaille les principales caractéristiques d'un capteur et vous sera en particulier utile en travaux pratiques. Pour simplifier, nous travaillerons avec un capteur intégré délivrant en sortie une tension fonction du mesurande. L'étalonnage du capteur permet de lier la tension délivrée par le capteur à la valeur du mesurande. Sans cette caractéristique entrée-sortie, le capteur est inutilisable. L'étendue de mesure donne la plage de mesurande sur laquelle le capteur est étalonné et donc utilisable. Attention à ne pas confondre avec les valeurs extrêmes du mesurande, au-delà desquelles le capteur n'est plus étalonné et risque même d'être endommagé. Quand le mesurande varie de la quantité ΔM, la tension délivrée par le capteur varie de la quantité ΔU. La sensibilité est le rapport de ces deux grandeurs. C'est donc aussi la pente de la tangente de la caractéristique entrée-sortie au point considéré. La sensibilité est par conséquent constante pour un capteur linéaire. Un capteur dont la sensibilité est élevée en valeur absolue pourra détecter de faibles variations du mesurande, mais aura en général une étendue de mesure plus faible. La résolution nous renseigne quant à elle sur la plus petite variation du mesurande décelable par le capteur. Attention, plus ce nombre est petit, plus le capteur est performant. Sensibilité et résolution sont bien entendu liées. Un capteur précis donnera une valeur du mesurande proche de sa vraie valeur, impossible d'ailleurs à déterminer. C'est pourquoi la valeur du mesurande mesurée par un capteur est donnée avec une incertitude absolue U de M. La vraie valeur M0 ayant 95% de chance de se trouver dans cet intervalle. L'incertitude relative sur la mesure vaut UM sur M et la précision en pourcentage de pleine échelle est définie par le rapport de UM sur l'étendue de mesure. En anglais, on parle de « full scale output ». Lorsque le mesurande varie brutalement, la tension délivrée par le capteur ne suit pas instantanément cette variation. Le temps de réponse est égal au temps que met la tension délivrée par le capteur pour atteindre sa nouvelle valeur à un écart epsilon près qu'il faut toujours spécifier. Plus le temps de réponse est faible, plus le capteur est véloce et pourra mesurer des variations rapides du mesurande. N'ayez crainte, votre temps de réponse au QCM des chapitres 1 et 2 n'est pas mesuré. Bon courage !